Dans la première circonscription électorale de Lombo, les enfants ont passé la fête de Noël dans l'allégresse. Ils ont reçu des jouets de diverses natures de la part de l'élu national Bruno-Jean-Richard Itois, qui a dépêché une équipe sur place pour faire ce don, lequel a ciblé le centre et les 48 villages que compte Olombo. D'un village à un autre, chaque enfant avait le sourire aux lèvres. Je remercie le député Jean-Richard pour tous les jouets qu'il nous a donnés. Je veux chaque année vous commencer à nous donner. Comme ça, il sera que vous êtes très gentil avec tous ces enfants du quartier. En plus de 6500 jouets, des vivres et non-vivres ont été aussi offerts à cet effet par Amédée Kimbassa, émissaire politique du donateur dans la localité. Une manière pour l'élu de Lombo 1 d'agrémenter la fête de la nativité en faveur de ses mandants. Un geste de solidarité qui a suscité la reconnaissance des bénéficiaires. Papa Bruno, pour les jouets, merci Papa Bruno pour les jouets et pour la nourriture. Que Dieu vous bénisse. L'élu de Lombo 1, Bruno Jean-Richard et toi, s'est toujours inscrit dans cette démarche pendant les festivités de fin d'année. Nous venons de recevoir une enveloppe de la part du ministre Jean-Richard Bruno Itoua, ce qui nous a fait en tout cas de très bon parce que il est pour nous comme un grand sage parce que d'habitude il est comme ça, chaque fin d'année, il nous donne quelque chose pour les enfants et c'est ce qui fait nous vraiment une satisfaction dans les villages avec les enfants. L'une après l'autre, six actions ont été bouclées par un repas d'ensemble à une soirée culturelle animée par deux groupes folkloriques au profit des enfants.